Bonjour. Bonsoir. Bonjour à tous. Bienvenue. On rejoindra d'ici quelques minutes Seb, Karim et Bob. Du coup, pour la suite de The Forest. Le Lennon est en retard. Qu'est-ce qu'il fout? Le mec, on l'invite et il est en retard. Mais il est en live, il est en train de foutre des... Il est en train de foutre des images de merde qui ont rien à voir. Mais tu vas démarrer ton putain de live, connard. Qu'est-ce que t'es vulgaire, Frédéric? C'est terrible. Bah oui, je... J'ai un problème, Karim. Oui, je sais. Aide-moi. Je l'ai vu sur la vidéo tier list, bande de ouf. Qui est démonétisé d'ailleurs à cause de ça. Allô, c'est pardon, sûr, je suis désolé. Ah mais quand même voilà. J'étais... Bonjour. Pardon. Ouais, alors, d'ailleurs... Karim, Seb, on était à côté d'un trou. Ouais. Il faut savoir que Forest, c'est en gros chaque nuit, il y a de plus en plus de monstres qui viennent t'emmerder en fait. Du coup, c'est vrai que l'espèce de village qu'on a en face, c'est le camp des ennemis. On s'est installé en face de chez eux. D'accord. Très bien. Et donc, ils vont venir nous défoncer ou parce non, que nous non. Après. Jour après jour, on est plus fort aussi en théorie, parce qu'on ramasse sûr, des trucs. Bien sûr, mais c'est juste qu'eux ont des ressources qui sont, même si c'est pas cohérent, illimitées sur cette île déserte. Le truc, c'est qu'en fait, le but du jeu dans The Forest, c'est de survivre le plus longtemps possible. Mais comme vous êtes en groupe pour l'instant, vous pouvez molester les pauvres sauvages qui viennent essayer de vous sniffer. Mais il faut savoir que voilà, le but du jeu, normalement, c'est d'éviter les patrouilles de sauvages, buter les éclaireurs avant qu'ils aient le temps de hurler et t'installer dans une zone où ils ne patrouillent jamais, de manière à ce que les sauvages ne savent pas où tu habites, toujours être underrun, tu vois, toujours être en déplacement. Jusqu'à ce que ta base soit compromise et fuir, tu vois, pour t'installer dans une autre base, parce que tu sais qu'à partir de là, ça s'arrêtera jamais. Et vous avez décidé, vous, de vous installer, voilà, c'est en face. Mais nous, écoute, on a des couilles. Temps, nous, on est là pour la bagarre, hein. Faut bien croire que, tu vois. Par contre, oui, je suis obligé de reconnaître ces grosses couilles. On va les défoncer. Ah voilà, Karim gagne. Ok. Ah moi je suis en train de m'écraser. Ah t'es en train de t'écraser. C'est vraiment l'île, il y a trois avions qui s'écrasent dessus. À aucun moment les autorités se disent bon, on se rejoint à la base. C'est l'espèce de petite maison avec une porte verte et un drapeau rose. Viens les biches. C'est vrai. Je ratais les biches. Tout ça. Attends, j'ai trouvé une tente. Viens, on va rejoindre des copains. C'est le premier truc à faire. Il faut rejoindre des copains. En fait, le truc. Oh, il y a des méchants. Il y a des méchants. Frédéric, attention. Bah, oui, mais fallait pas partir par là aussi. Mais je rejoins les copains, moi. Moi, je joue. Parpo. Attends. Je rejoins la base. Je vais les fumer. Ça va? T'as besoin d'aide? Oui, j'ai besoin d'aide là. Attends, ils sont pleins là. Attends, je me suis fait complètement niquer. Il y avait un petit troupeau. Tu me vois, hein, Sébastien? Je suis derrière toi. Bonjour. C'est toi, bonjour. Alors là, on va rejoindre Fred, les amis, ok? Ouais. Venez me rejoindre. Moi, je suis à la maison. La maison en face du camp des méchants. Ah, c'est d'accord. La meilleure maison. Ah oui, c'est ce grand camp qui était à côté de... D'accord. Ce que je vous propose, en fait, c'est de se stabiliser déjà, parce qu'on a besoin de manger, on a besoin de boire, tout ça, tu sais. Ok, c'est bon, je suis avec toi, Fred. Je suis à la base. Yes. Il faut manger déjà, pour commencer. Il faut qu'on mange. Meurs. T'as tué quelque chose? J'ai tué un oiseau, effectivement. Ah, super. Bah attends, je vais allumer le feu. Alors je vais essayer de contribuer au camp de la manière que je... Il y a des méchants qui arrivent. Non, attends. Ah merde, désolé. Ah, tu m'as enfermé dehors. C'est pas grave. C'est bon, il est décédé. Attends, mais cet arbre, il est chiant, là. Faudrait le couper, en fait. Mais oui, mais il y a un truc dessus. Ah bah c'est pas grave, on le refera. Est-ce que enfin, vous allez buter cet arbre qui donne accès, voilà. Voilà. Quand même. On vient à peine de lancer la partie, vous êtes déjà en train de bouffer des gens. Quoi. On me dit, haha, bien joué, plus de sève. Alors voilà, c'est vrai qu'on on a pété notre arbre à sève. Mais ça va, il y a des arbres, il y en a plein, ils ont tous de la sève, c'est bon. La question c'est comment on récupère de la sève? Moi je sais récupérer de la sève qu'en coupant les arbres, si tu veux, mais... Bah, j'avais mis un truc, j'avais mis un réceptacle, mais vous l'avez pété. Ça donnait, en même temps, ça donnait accès aux méchants à notre base. Mais au moins on savait où est-ce qu'ils arrivaient. Mais non, c'est pas une bonne stratégie. Mais si. C'est le mec qui ont fait le mur de l'Atlantique. Non, mais on a laissé la Normandie ouverte, comme ça on sait pas où ils vont arriver. Quoi. Il y a des baies sauvages autour là. Alors, les baies de chèvrefeuille sont de couleur noire et elles sont toxiques. Les myrtilles à feuilles ovales bleues sont indigo et ont une petite couronne et sont mangeables.
Ouais, moi je bouffe tout ce qui passe. Ok, ouais, c'est pareil, moi je vais adopter la strat de Seb. Sinon, le but de ce jeu c'est quoi et quand est-ce qu'on s'y met là? Parce que moi j'ai envie d'aller découvrir des trucs. Alors, le truc, c'est qu'il faut retrouver Timmy, pour rappel. C'est notre enfant qu'on a perdu en s'écrasant. Oui, tu te souviens de ton enfant? Celui qui était accroché à toi dans l'avion quand tu t'es écrasé. Ben, c'est lui. C'est Timmy. D'accord. On avait un enfant accroché à toi. Oui, oui. Ben, oui, dans la cinématique que t'as passée, Bob. Ah, d'accord. C'était il y a trois semaines, hein, je pense que Timmy, c'est fini. Ouais, c'est vrai, on fait pas beaucoup d'efforts. On pensait à adopter, là. Moi, je propose qu'on trouve un animal qui est un peu classe et on le traite comme un enfant. Comme ça, on s'en vivra. Ouais, et on l'appelle Timmy. Je suis en train de créer. Des totems qui crame. Pardon, ouais. T'as vu, je suis parti en courant dans l'eau. C'était moi, je suis dans une comédie, moi. Est-ce que tu vous êtes dissipé totems... Je suis en train de créer des espèces de totems dégueulasses à partir des mains et des corps de nos ennemis pour leur signaler notre présence et leur dire qu'on ne veut pas d'eux chez nous. Très bien, ça m'étonne pas du tout que tu sois en train de faire ça. Ça marche. Un truc. Alors, il nous faut des mains, du coup. donc. Seb, donne tes mains. Je mets un autre truc ici, là. Voilà. Du coup, ce que je vous propose, c'est quand on tue des gens, on vient les démembrer devant la maison, d'accord? C'était démonétisé sur YouTube ou pas encore, là? Parce que ce que je suis en train de faire. Ouh là là, attention! Attention, regarde, Fred. Viens voir. Quoi? Viens voir. La nature qui te parle. Tu sens l'appel de la chiasse dans ce champignon là au sol? Ah, mais je l'ai mangé tout à l'heure et ça va. Moi, tu sais, tout ce qui est coloré, tout ce qui est de couleur vive dans la nature, ça veut dire que c'est bon. Le plutonium, par exemple. Du coup, là, on attend la nuit, on la passe ici et après on va explorer pour trouver Timmy parce que maintenant Timmy commence à. Ouais, de toute façon, la nuit va tomber. Il commence à survivre mieux que nous. Mais je pense qu'il est devenu leader de l'armée. Il va les monter contre nous, tu vois, en mode lavage de cerveau. C'est peut-être lui qui va nous sauver. Rappelle-toi, Timmy. T'étais un humain comme nous à l'époque. Je me dis, est-ce qu'on ferait pas un rangement à pierres et un porte-bâton qui va aller stocker ouais. Des pierres et des bâtons? Un petit meuble pour les chaussures, je sais pas. Non, mais tu rigoles, mais pour ranger les chapeaux. Une sonnette en boyau avec des dents. Bonjour. Quand t'appuies dessus, ça fait. Moi, je voulais mettre quelque chose pour pouvoir tirer des flèches par-dessus nos murs. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais il veut mettre des escaliers en fait, au-dessus de la porte, ce qui serait bien. Ah, parce que ça permet de mettre. Regardez comment t'as des coups de lance aux bâtards qui viennent. Comment ouais, c'est pas. Oh, y'a un sauvage! Où ça? Un sauvage! Allons le tuer! Ah, je vois Bob se faire tuer à travers le. On a dit non, témoin de Jéhovah, ça suffit, hein! On vous a dit que non! Faites demi-tour! Alors attends. Oh, c'est un berserker! Ils sont vachement nombreux! Mais revenez! Non, faut pas jouer! Revenez! Je reviens. Je vais revenir. Ah, j'ai mal au cul. Mais il y a un gris, ils sont vénères. Ah, tiens, sauvez-moi. Et ils font de plus en plus mal, j'ai l'impression. Tu l'as caressé avant de tomber dans l'eau, c'était beau. Faudrait que je te montre l'image. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça, je suis mort. Les gars, on a un vrai problème de... Mais t'es où? Je vois rien, en fait. Il en reste encore 3. Hein. Bon, les gars, moi, je reste là, je reste à la base. Hein. Je vous attends, parce que je ne vois rien. Mais il nous faudrait un système de lumière. Est-ce qu'il y a moyen de faire un barrage? Tu veux dire faire un feu, c'est ça? Personne n'a des jouets, Philips, des ampoules connectées. Waouh, il m'a tué aussi, putain. Mais qu'est-ce que vous faites venir? Vous allez à l'affrontement? Attends, bah j'arrive, mais à quel est le but? Mais c'était pour ramasser des dents, moi c'était pour faire des lances perfectionnées. T'as raison, ça c'est une technique à la fin. Les gars, il y a un souci, c'est que d'habitude on pouvait se revive, et là on est mort instant, quoi. Non, il est pas mort instant, Seb. Quelqu'un peut me relever? Oui, parce que j'ai un timer, là, sinon un peu chier. T'es mort dans la flotte, mon cher Fred. Du coup, on pouvait pas se revive. Ah, merde, je me suis noyé. T'es noyé. Non mais alors là les gars, ce qu'il faut faire clairement, prochaine journée on la consacre à augmenter la défense de notre base. Je suis poursuivi par un lapin. T'es poursuivi par un lapin? Non mais après il y a... C'est une survie très mal engagée là. Ah, ils reviennent encore, il y a un Jean-Guy là. Ah, ils sont deux même. Ah ouais, je me casse, j'en ai marre. Laisse-moi tranquille. Je comprends pas l'utilité de... Ah non de... Putain, mais tu vas arrêter de rester là. Karim, barre-toi Karim. Non, faut qu'il me sauve d'abord. Je sauve le cul, moi, attendez. Avant tout, je vais te sauver, Seb. Je voulais activer le piège à lapin, mais c'est peine perdue là. Voilà. Merci, voilà, ce coup-ci je m'en vais. Alors, Karim Seb, il est là, il est dans la forêt là. Je pense que si on lui tombe dessus à 4, on peut lui faire comprendre. Là, il brille à gauche là. Il est là. Ouais. Fukalari. Vas-y. Il est giga custom. Allez, vas-y. Tous dessus.
Oh, il a un super costume. Voilà. Vas-y, continue. Je veux la cuisse. Démembrez-le. J'ai pu le ramasser. Voilà. Il se barre avec la croix. Ils l'ont cherché, ces sauvages. Notamment. C'était pas si ouf comme offensive, hein, ce qu'ils ont fait, ça va. Hein. Non mais attends, on a eu deux morts quand même. On s'est quand même bien fait blesser, hein, il faut le dire. Hein. Attends, il faut démembrer les corps maintenant. Il faut aller ramener les corps, les différents corps là qu'on a butés. On va les ramener pour les démembrer tranquillement. C'est une phrase normale à dire entre amis. La porte, ouais, y a encore du. Bah oui, la porte est ouverte, je vais l'ouvrir. C'est moi qui l'ai ouvert. Ah, y'a un ennemi qui arrive. Ouvrez la porte. Entre. Et moi je fais passer. Et voilà, il s'est. Oh là là. Ah, il a sauté par-dessus. Oh, il a wall hack. Ouais, c'est un bug ça, c'est pas normal. Molestez-le. Oui, je vais te molester. Oui. Boîte de Pandore. Ouais, il a décédé, lui. Il a décédé sur lui. Il a des DVD. Les DVD. Aidez-moi. Je suis encore mort. Aidez-moi. Waouh. Putain, ils veulent nous cramer et tout. Ouais, ils sont nombreux là. Là, c'est la tribu oh, DVD. Je suis encore mort. Il me mange. They survived zero. Attends, mais le jour est en train de se lever. On a veillé. On n'a pas fait. Dormi. J'ai trouvé la grotte qu'on cherchait la dernière fois d'ailleurs. Sérieux ? Ouais, on cherchait une grotte la dernière fois et on savait pas où elle était, je l'ai trouvée en fait, elle est juste à côté. Est-ce que tu serais capable de nous y reguider ? Oui, ça, c'est pas loin derrière. Mais il faut juste que je récupère mon stuff d'abord. Je suis en train de cuire ma viande, me la mangez pas parce que je vais mourir sinon. Ah, il y avait la mienne avant, hein. J'avais déjà mis. Mais qui met un pied ? Je vous mets un petit pied, j'espère. Battez pas. Mais vire ton pied là. Mais non, j'ai mis un pied d'oiseau. Tu fous un pied dans mon plat là. En plus, le pire c'est que je t'ai mis un oiseau pour toi spécialement pour que tu puisses manger. Donc si t'as mangé, c'est grâce à moi. Donc là, mon pied. Mais tu j'ai vas pas mangé. Quelqu'un m'a. Quelqu'un t'a mangé ton truc. Mais quelqu'un m'a mangé mon machin. Il m'a foutu un pied à la place. Quoi. Qu'est-ce que c'est là? Je veux pas ton pied là. Vire-moi ton pied. Et mange tes pieds. Arrête de faire l'enfant. J'avais pas ce diamant qui gâté là. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas droit au pied. Donc... Bon, je mange ton pied, mais vraiment, c'est dégueulasse. Mange ce pied, je veux te voir manger ce pied. Allez. Mais c'est dégueulasse. Il y a un oiseau. Et pour moi. Ah, désolé. Ne mettez pas votre tête dégueulasse dans mon plat. C'est bon, là, je fais manger. Là, hein. Le feu de tout le monde, si on a envie de manger des têtes et que t'es pas content, tu vas au resto. Oh, voilà, le dragon, chop. Et il brûle. J'ai. Joli, vas-y. C'est sauvage. On est à deux en train de. J'ai l'impression que les gars, vous me piquez ma boue, vous arrêtez pas de me piquer ma boue. Ah, c'est bon, je mange le lézard. Ça y est, la parano s'installe. Ouais, ça commence. Moi, je vais construire un kiosque parce que je pense que c'est super classe d'avoir un kiosque devant chez nous, tu vois. T'es sûr que tu veux. On est parti là-dessus donc. On gâche les ressources. Moi, je veux un belvédère. C'est pour faire un concert et tout. C'est moi je dis oui, voilà, la culture, voilà, il faut pas négliger la culture. Moi je veux être financé par chaque langue. Sauvage aussi, et puis voilà, je veux un drapeau, je veux un kiosque. Vous vous souvenez qu'il y a un enfant qu'on doit sauver? C'est joli, okay. Ça apporte un. Ah, j'arrête pas, c'est bon, là. On a une petite plateforme là, comme ça on peut tirer ici. Ah, j'ai débloqué un succès climate change. C'est-à-dire, j'ai tellement coupé les arbres que. C'est Donald Trump. Parfait, je suis sur la bonne voie. Yeah, continue. Gonna wipe out the forest. Climate change is a hoax. Fake news. Putain, la démesure de ressources pour construire ce putain de kiosque qui sert à rien, mais je suis trop content. C'est vrai que c'est un peu overkill. Hein. Ah non, c'est n'importe quoi, mais moi je m'en fous, je veux un kiosque. Alors, c'est quoi la prochaine étape après le. Après le kiosque, qu'est-ce que c'est le... C'est quoi, c'est l'église, non? On devait pas construire une église? Ah, moi j'étais parti sur une société athée. On veut créer notre culte aussi. Créer un dieu super sympa. Ouais, voilà. Francis Lalanne, tu vois, notre dieu. Et voilà, je te mets un peu de viande d'oiseau dedans. Ah, ok. Ouais, faut faire dodo. C'est vrai qu'on peut faire dodo tout de suite en fait, comme ça fait passer la nuit. Quand on fait dodo, ils ont dit qu'ils attaqueraient pas. Là, je dors, là je suis en mode je vous attends. Ça va, j'arrive. Là, je suis là. Le mur. Quoi, le mur? Là, le mur. Ah, il a explosé. T'as fait tomber un arbre sur le mur. Ah, pas mal. Bah... pas mal du tout. Mais je savais même pas que c'était possible. Bah, on a appris quelque chose aujourd'hui. C'est que faire tomber des arbres sur un mur, ça casse le mur. Qu'est-ce qu'on construit maintenant? Un lecteur DVD? Bah, on répare le mur. Notre camp, il va prendre une plus-value. Il n'y a plus qu'à mettre une piscine et...
Ah ouais, non mais clairement après on revend. On loue, on loue à des gens. Bah, il suffit de débarrasser de l'île des sauvages et techniquement c'est à personne. Hein. C'est à eux qu'on loue, ils vont être super jaloux. Les mecs, c'est des trop... ils habitent dans des cavernes pourries. Ils vont dégager, c'est la gentrification quoi. C'est foutre le camp, vous avez pas assez de sous. Ouais. On a notre center schlag quoi. C'est vrai que techniquement, construire des trucs en face de là où ils habitaient depuis peut-être des centaines d'années pour ensuite leur louer alors que c'est chez eux à la base. Ça s'appelle les États-Unis, monsieur. Oui, ça s'appelle le capitalisme. Vraiment... Ça s'appelle... C'est le vrai capitalisme. Yes, le kiosque est fait, les gars. Ah. Et le succès déverrouillé, c'est You Should Be Looking for Timmy. C'est vrai que ça va être dur à expliquer à Timmy quand on va le trouver et qu'on va le ramener. Ah, écoutez, le camp, il est super grand, il y a un kiosque, il y a plein de trucs. C'est une salle de jeu, il y a un billard, c'est un os. Là, c'est la salle d'arcade en bois. Et puis, c'est pas qu'on t'aime pas, mais il y avait l'occasion de construire un kiosque. Je tombe avec des mecs super sympas. Moi, j'ai envie de me spécialiser dans les constructions un peu inutiles, en fait. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors, moi, je veux bien, mais est-ce qu'on peut finir les constructions utiles avant? Oh yes, je vais faire une route. Attendez. Ah, mais putain de merde. Karine. Je vous propose, comme ça, demain, on part à l'aventure. On essaye de... Vous vous souvenez de ce garçon qui s'appelait Timmy? Ouais, je me souviens. Il était cool. Il était super. Parce qu'il y a une grotte. On lui fait un manorial. Oh yes, on peut faire une tyrolienne d'arbre. Oh putain, on peut faire de l'acrobranche et tout. Attends. Oh, oui. C'est vrai qu'un centre d'acrobranche. C'est là pour deux minutes de chez les cannibales. L'acrobranche. Attends, moi ce que je veux il faire... Pas, il est pas bucolique. Il est ultra cool. On va essayer de mettre des petites fleurs autour, des trucs comme ça. Moi je vais construire une table. Je l'ai arrêté juste à côté de ce bout de tronc là. Comme ça on peut mettre une petite sculpture pour dire bienvenue. Une boîte aux lettres, un truc comme ça. Oh merde, où ça? Qu'est-ce qui se passe là? Ça arrive, il est pas content. Ils attaquent, son 4. Waouh, tu sais, ils sont beaucoup. Ah, le sentier, ils ont pas aimé. Ils ont dit... C'est le jour quoi, pourtant. C'est la guerre des voisins, c'est... Vous avez voulu faire un sentier chez moi? Il manquait pas vous une tête. Vous aimez pas ce qu'on fait à notre forêt? Attends, putain, on peut vous avez foutu une table et tout. Quel enfer. Ça va être très bien, ça va être très c'est bien. C'est cosy, hein, franchement. J'avoue que, par contre, c'est le potentiel cosy du lieu est juste off the charts. Hein. Ça veut plus rien dire. Cette base n'a aucun sens. Vous noterez que j'ai mis 5 chaises au cas où on retrouve Timmy un jour. Ça, ah, merci. Chaises enfants, non, adultes, ouais, parce que depuis le temps... On voit que tu penses à tout. On peut se faire un petit barnum ou une tonnelle, quelque chose pour se protéger de la pluie. Attendez, ça revient. Il est un sauvage. Et il faut faire une catapulte. On va le fumer. Waouh, il saute. Calme-toi. Il faudrait qu'on se stuffe un peu en nourriture et en flotte. Comme ça, demain, on va aller explorer. J'ai trouvé une grotte à côté, là. Il faudrait quelques pots de bêtes pour terminer ces chaises. Karim, il est dans déco. Complètement, c'est Valérie Damido. Je fais un espèce de tour d'observation. Seb, tu viens dormir? Attends, la porte est ouverte. On est en train de me manger. Hop. Voilà, vas-y, venez dormir. Venez dormir. Il y a un mec qui fonce vers vous. Enfin, qui fonce vers le campement. Il me regarde. Il ne bouge pas. Moi, ça arrive, je suis un peu... Ils sont encore plus sauvages que vous. Seb, il est dans Conan. Non. Non. Ah non, ils ont cassé le kiosque. Oh non, kiosque. Bâtard, vous allez me payer. Vous allez me le payer. Là, ça, les gars. Là, c'est personnel, ouais. C'est vraiment des sauvages. Comment on fait une bombe H? Notre kiosque. Dépecé pour ça, je vais te dépecer. Tiens. Qu'est-ce que Jimmy va penser de tout ça maintenant? Attends, Karim, est-ce que tu peux m'aider pour un truc, s'il te plaît? C'est que les miradors, là, ils sont pas à la bonne taille. Il faudrait que tu te mettes en face pour que tu me dises s'ils sont bien en face l'un de l'autre. Tu sais, c'est sexy. Tu sais, parfois, t'es en couple et t'es là. Chérie, tu peux me dire si le tableau, il est droit? Là, c'est le mirador, il est droit, là, ou bien... Tu peux me dire si mon mirador, il est bien là? Qui a construit une cabane dans l'arbre? C'est moi. Il suffit que je... quoi faire? Ok, il faut juste... Parce que je... c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Mais oui, mais ça sert à rien. Ça fait un poste avancé. Bah les miradors, ça sert à rien non plus. Bah si, ça sert à voir les ennemis venir de loin et à leur tirer dessus quand on aura un arc. Eh bah avec la maison aussi, et tu peux y dormir. C'est encore mieux. C'est vrai, mais oui, mais c'est... Mais pas... elle est pas assez haute, ta maison. Ta maison, elle est à 2 mètres de haut, quoi. Elle est très bien montée. Elle est très bien. Écoute, je resterai dans la maison, tu resteras dans ton mirador. Elle est... Et voilà. Okay, on peut se coucher? Ouais. Des flèches. Alors on peut se coucher, d'abord je finis le mirador parce que tant qu'à faire. Ok, bah je suis prêt. Est-ce qu'on va chercher impeccable. Alors ça c'est beau. Vous vous sentez pas puissant avec deux miradors à l'entrée? Comment on y monte? Ça va, mais effectivement si c'est des miradors il faudrait pouvoir y monter. Mais c'est assez, c'est le plein sûr. Personne vient au plus haut.
Si, on vient, t'inquiète, Babette. On va te mettre sur la max. C'est souple. Ok, c'est bon, je suis prêt à dormir. Ah, moi aussi. Petit super. Sommeil, vous êtes prêts? On y va? On y croit? Attendez. Deux secondes. De pouvoir faire des Timmy 2, Timmy 3, Timmy 4. Pour vraiment oublier le premier, ouais. Qu'on va appeler Timmy Alpha. Super, ça a de la gueule. Il nous faut absolument une solution pour récupérer des PV rapidement. Ouais, il nous faut de l'aloe vera. De l'aloe vera, je te dis. Eh, aloe vera, tu mélanges ça à je ne sais plus quel point. Il se barre vers la grotte. Ah, du miquelon, je sais pas quoi, là. Je vous propose d'aller explorer la grotte, on trouvera peut-être des loot intéressants. Ouais, mais là, j'ai un vrai problème de PV. Là, il me faudrait quand même... Alors, attends, je vais te filer des médicaments. Comme ça, on va pouvoir y aller. Déjà ça, mais aussi, mon cher Fred, plutôt que de partir dans la grotte, je propose déjà, on prend tous un arc, on prend tous des flèches, et on se déplace dans la jungle, tiens, histoire de trouver de l'aloe vera. Et une fois qu'on a de l'aloe vera et qu'on s'est fait une réserve, on peut le mélanger aux plantes oranges qui poussent dans notre base et on pourra faire des médicaments qui rendent 50% de la vie ou 100% de la vie si on les améliore. Allons chercher de l'aloe vera alors. Absolument. Alors on me dit sur le chat qu'il y a de l'aloe vera autour du lac où on est. Donc il faut du lac où on est. Et là, mais c'est de la merde cette arc. Alors l'arc, il sert à chasser des lapins. C'est d'accord, parce que putain, on dirait un arc, un arc petit fait de ça, quoi. Il est artisanal, nique-toi. J'ai fait ce que j'ai fait avec ce que j'ai fait. J'ai plus de flèches, j'ai tout cassé. Allez, on va dans la grotte. Allez. Ouais, ouais, c'était un arc joué club, hein, Bob, que tu m'as filé. Mais je t'emmerde. Je suis dans leur village, hein. Il y en a un qui nous arrive dessus. Ça n'est plus ton village. Comment on va te l'expliquer? Viens avec moi, Seb. On va chercher de notre côté. On fait deux groupes de deux. C'est ça? Aloe vera, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est l'aloe vera, bien joué. Ah, mais j'en avais déjà, en fait, de l'aloe vera. C'était ce truc-là. Là, oh cette non, plante, mais je te maudis. Je vais créer un truc de plantation, histoire qu'on puisse planter de l'aloe vera et qu'on arrête de rouler en... Ah, c'est possible. On peut faire un potager. Ouais, parce que en fait, je pense qu'on a besoin de soins pour aller dans les bases un peu dangereuses. Là, regardez, j'ai fait un gigapotager. Alors, du coup, là, on va explorer. Là, c'est journée. Allez, le petit-déj d'abord, quand même, la mire est correcte. C'est vrai, le petit-déj, bien sûr. Ouais, moi aussi, j'ai la dalle. Ouais. Je suis full énergie, full flotte. Je vous propose de bouger. Ouais. Allez, super. On ferme la porte. On ferme la clé. C'est bon, on a mis l'alarme. On peut y aller. Impeccable, allons-y. Je vous suis. C'est dans quel sens? Mais c'est de l'autre côté, qu'est-ce que vous faites? De l'autre côté, très bien, on suit ouais, Fred. D'accord, on suit Odocha, le leader. Alors, mais c'est juste pas... que moi, je sais où c'est la truc. Allez, j'espère qu'on va retrouver Timmy, voilà. Alors, c'est à 170 mètres sous le sol, c'est profond, hein. La terre est creuse ici, hein, faites gaffe. Ah, très bonne utilisation. Oh non, il a fait avec sa voix. J'entends des saloperies, probablement des araignées qui... Oh non, non, remontez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis-nous. Il y a un machin multivagin. Ah ouais. Ah mais on en a tué un déjà. On en a tué un déjà. Oui, ça se gère ça. Moi, je ça se gère. Il est entouré de 1, 2, 3, 4, 5 bébés. Eh ben les bébés, on les tue et en plus on peut les manger. Il y a peut-être Timmy dans le lot. J'arrive. Ah ouais. Ah ouais. Sortez le lance. Ah ouais, on fait la merde. Ok, vas-y. Comment on met le feu à la lance? Hit and run, un coup et on recule. Il faut du tissu. Ouais, carrément. Dark Soul, tue les bébés, pardon. Attention, les bébés, ils jump. Mais tu replies pas, t'as la trouille ou quoi? Descends. Oh là là. Wow. Elle est coincée, elle est stuck. Ouais, j'attends que ma stamina revienne. Voilà. Voilà. Un peu des t-shirts, voilà. Je vais prendre ta peau. On la mange, mangez-la. Et on la brûle. Vas-y, mangez-la, voilà. J'ai trouvé une jambe, c'est peut-être la jambe de Timmy. Ah, il y a plein de bébés. Oh, le cadavre de bébé, ouais, effectivement. Ouais, c'est excellent, on se croirait dans une convention à Paris. Oui, oh, il y a des petits tabourets, là. Ah, il y a des petits tabourets, effectivement. Il y a un feu plus loin. Venez, avancez, restez groupés. Ah, personne a du gaffeur. Karim, Seb, suivez-nous. On a récupéré la cassette numéro 2. Oh, non. Attends, je vais l'écouter. Alors, oh, la vache. C'est de la musique. Trop bien. Pour l'ambiance. J'ai pas une armure dégueulasse. Je me suis équipé d'un truc. Si, t'as un truc, un gant. Où est-ce que t'as trouvé ça? Je sais pas, mais c'est un bout d'organe et je crois que je peux l'équiper comme de l'armure. T'as enfilé un des bébés. Le mec, vraiment, il a vrillé complètement. Il y a 3 jours, il était chargé de marketing pour Yoplait. Et là, vraiment...
Ah mais non, j'ai des crocs. Il enfile des bébés. C'est ça, mais je savais depuis longtemps que j'étais proche des enfants, mais à ce moment-là. J'ai trouvé un passage qui descend. Ouais, j'ai trouvé un passage, ouais. Je crois, par ici. T'as trouvé un passage, Seb? Ouais, je suis en train de m'enfoncer, moi. Vous venez avec moi ou on tente? Je vois de la lumière en bas. Bah attends, on va suivre Seb alors. On va suivre Seb. Ça a l'air d'être la salle à manger ici parce que c'est un peu décoré. Il y a plein de snacks, il y a d'autres organes pour s'habiller aussi, si vous voulez. Ouais, ouais. Un effort de décoration ici. C'est quoi ça? J'ai trouvé un truc. J'ai trouvé une petite tête en statue, un truc comme ça, tu sais. Ouais, pareil. Ça m'a l'air de plus ici. Ouais, je vois trois connards. Il y en a un qui arrive. Voilà, j'ai pris l'agro, viens. Les autres arrivent. Est-ce que je peux le brûler? Dans le boulet. Dans le boulet, ouais. Putain, ils font mal. En mode 300, là. Il y a une lampe au-dessus d'un trou et de la flotte. Est-ce qu'il faut nager ou pas, selon vous? Ouais, est-ce que ça serait pas un passage ici, effectivement? Suivez les planches. Là, il y a une corde. Mais la corde, elle remonte. Nous on veut descendre. Mais de toute façon on est beaucoup plus loin dans la caverne qu'on l'était à la base, donc remonte. Il y a un dessin de Timmy. Quoi? T'as trouvé Timmy? Il est là? Il y a un dessin de Timmy. Timmy le vivant. Incroyable, il a l'air d'avoir une poker face quand même sur le dessin. Je pense qu'il a oublié la tête de son papa. C'est horrible. Ouais, c'est pas très bien dessiné quand même, hein, vraiment. Mais le dessin. Venez récupérer l'alcool. Attends. Moi je vais aller me bourrer la gueule et oublier toute cette affaire. Allez, c'est de l'eau fraîche, bois, putain. De la Kézak. Mais non, mais t'as pas des boissons? Non, mais pas grand chose, mais j'ai soif aussi, effectivement. Ah, j'ai de l'alcool, mais bon, ça serait pas sérieux. Non, mais c'est de l'alcool à 90, tu peux pas. Ah, bah si, je peux. Ah ouais? Je suis un vulnérable maintenant. Qui boit du Saint-Paul pour des affaires? Vas-y, bah go, je bois aussi. Hein. Yeah, faut peut-être prendre le passage. Hein. Ouais, on avait trouvé un passage tout à l'heure. Moi, ça m'avait l'air d'être du level design. La lanterne qui était au-dessus du trou à plein de flotte. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ah, c'est le jouet de Timmy. La tête qu'on a trouvé chelou, c'était le jouet de Timmy qu'il avait dans l'avion. Je vois que dalle, c'est le noir je absolu. Je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Les torches, elles marchent sous les flottes. Hein. Mais... Ah non, pardon, tu parles des... Ok, on parle pas. Je parle de la pré-technologie, si tu veux. Quelle torche. J'en ai une. Ouais, moi, j'ai pas de torche. Que... Ah merde, j'ai oublié d'allumer. Je lance une torche dans le trou. Ok, bah vas-y. Ça marche pas du tout, ton truc du magnésium, c'est de la merde, je te ferai plus jamais confiance. Désolé. C'est quoi les canettes de spray? À utiliser avec un briquet de la laque. Wouah. Wow, mais t'es quoi? Je cramais la gueule. Mais t'as mis le feu à Karim. Un gros ballon, suis-moi Fred, il nous a brûlé la gueule, c'est un traître, je l'ai toujours su. La cassette numéro 4, Karim t'écoute? Allez, c'est parti. Je l'écoute. C'est sympa, mais Timmy, sinon... Oui, c'est vrai, il y a ce petit souci là qu'il faut qu'on règle. Quelqu'un peut m'éclairer là? Ah ouais, il est sur souris. On repart au coronavirus là. Tu l'as chopé avec un arc? Attends, mais moi aussi je veux faire ça. Ça ne donne rien. D'accord, donc ça ne sert à rien. Attendez, j'ai une idée. Non, mais je vais gâcher vous. Voilà, et elles sont déjà cuites en plus. Alors on peut pas les manger, les chauves-souris. Ah, on peut pas les manger malheureusement. Mais là, en fait, ça fait le coronavirus. Ah, je suis coincé, je peux pas mettre des coups. Il est là. En train de démembrer un mec sur fond de musique. Yes. Ouh, et ça mène à un endroit avec beaucoup de chair. Non, Seb, retraite. Attends. Ah, c'est peut-être la chair de Timmy. C'est vrai, il a pas tort. On devait retrouver Timmy, on n'a pas dit dans quel état on devait le retrouver. Ah, j'ai ramassé une boussole. Il y a un mec, il est honnête. Enfin, c'était un vrai mec. Il y a une boussole et il y a une carte. Il y a une carte, mais il n'y a rien dessus. Sur la carte, il n'y a rien dessus. Il y a là où on est, en tout en bas à droite. Ah, d'accord. Ah oui, on a une carte maintenant, c'est trop bien. Ah, du coup, on va dessiner le trajet. Mais c'est quand on se déplace, ouais, d'accord, ok. Ah ouais, cool. Où on habite, putain, et on a une boussole. Il y a un gars, il est attaché là. Ouais, est-ce que je le prends pas? Il a essayé du pognon. Tape-le, c'est une piñata. Regarde ça. Il lâche du fric. Regarde ça. Ah, il y a une méga corde pour monter. En fait, on a trouvé ce qu'on voulait chercher ici. Hein. C'est-à-dire, on a trouvé une map, on a trouvé une boussole. Je veux pas dire les mecs, mais. Ah, mais ça mène à l'extérieur. Ça mène à l'extérieur. Et on a trouvé un morceau du jouet de Timmy aussi. Ça devrait être moins rassurant, mais visiblement, tout le monde s'en fout. Ah, il y a des gens qui sont attachés, c'est dégueulasse. Attendez, voir ça. Ah, c'est horrible, mais c'est génial. J'ai trouvé des. Ah, il y a des balles de tennis qui sont dans le corps de mec. C'est des vrais artistes. Ouais, là, c'est un acte de mort. Ouais. On peut les profaner en jetant des balles dessus. Ah oui. Oh, il a pas aimé qu'on touche la sculpture. Bah, c'est normal. Imagine, un gars, il arrive chez toi. Oh là là. Il commence à péter des œufs. Ça suffit, mesdames. Ça suffit.
Waouh, ils lui ont mis des pales de tennis dans le bide, c'est trop beau. Donc visiblement, c'était un lieu de rassemblement pour les tennismen. Il y a de ça quelques. Le dernier Roland Garros. Il y a des trucs à drop là dans le. Ah, il y a des mecs qui ils dropent des billets encore. Ils ont utilisé les raquettes pour les. Ah, c'est horrible. Restez groupés, ouais. Venez dans le village. Ouais, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Oh, il est bien, ça, le petit. Ils sont très nombreux. Ils sont super nombreux en vrai. Là. Ça continue à arriver, il y a un boss qui arrive. Non, faut se barrer dans la grotte là. Ah, je vais crever. Attention, il y a deux boss. Il y a deux boss qui arrivent. Il crame sa race. Il crame. Ah, c'est pas con, c'est efficace en vrai. Remettez une dose. Hein, non ça pas une. Voilà. Généreusement le canard laqué. Oh, ça sent bon. Ah, je vais me régaler de sa jambe. C'est sauvage, comment tu. Ouais, on est passé à des gens vraiment. On est devenus des gens vraiment. On a fait une Viet Cong, nous. Qu'est-ce qui se passe? J'adore l'odeur du napalm. Apparemment, on a oublié quelque chose dans la grotte, sinon, il y aurait une meilleure hache. Attendez, le jour se lève, moi je propose qu'on profite du jour qui se lève là pour bien explorer le camp et vraiment rincer tout ce qu'on a et ensuite on retourne dans la grotte. Ah, oula, c'est monde. Queen. C'est pas con. Il y a du monde, il y a des invités. Repartons vers notre maison. Ah, on aurait dû construire un truc, un pit à terre pour savoir que c'est leur village à eux, pour le marquer en fait. Ah ouais, pour venir le détruire régulièrement. Attends, il y en a un qui arrive. Ils sont 1, 2, 3, 4. Tu confonds avec les autres. Il y en a 3, il y en a 3 de plus, 4 de plus qui arrivent. Attendez, je vais sortir l'aérosol. Ouais, lui il est bien mort. Allez hop, voilà. Attends qu'il s'éteigne, il remet une dose. Hein. Ok. Boom. Bande de il y a le boss qui arrive, je vais l'accueillir. Bah alors voilà. Bah qu'est-ce qu'il y a? Bah qu'est-ce qu'il y a? Bah reviens ici, connard. Ah, tu viens plus en soirée? On fait plein de. T'as loupé, hein? Il est arrivé, c'est des malades! C'est des malades! Alors attendez, aidez-moi à trouver le drapeau. Drapeau, j'ai, utilitaire, drapeau. Et eh ben je le mets en plein centre de leur village. Paf. Vas-y. Ok. Allez, ben venez, on se barre. Plein de soda ici. Oh. Encore. Ah, c'était. Mais non. Doucement, Fred, doucement. Voilà. Vous savez ce qui serait cool en vrai, mais il faudrait qu'on ait un peu plus de temps. C'est on aurait mis un totem avec les membres démembrés de tous les gens de la tribu au milieu de leur village. Ça, ça aurait été classe. Ça marche pas. Il dépop automatiquement. Ah merde. Quel dommage. Quel dommage. On a déjà essayé avec Fanta il y a longtemps et je me souviens que ça n'avait pas marché. Bon ben venez, on rentre. On rentre à la base. Ouais. J'aimerais bien trouver de l'aloe vera. C'est une aventure trop sympathique. Hein. Hésitez pas à casser leur totem sacré et tout ce qui se rapporte à leur culture. Bien sûr. Ouais, les faire disparaître de l'histoire, ouais, c'est important. Ah, j'ai trop de crânes, ça c'est. Tu souhaites ne jamais prononcer. Je sais pas si j'ai des gènes. Il est beau notre camp. Moi je suis fier de notre camp, les gars. C'est dommage qu'on a plus le gazebo. Avec les deux miradors, la grosse clôture, le ponton. Vraiment, je me sens chez moi. Hein, ça a poussé, il y a de l'aloe vera qui a poussé, effectivement. Oh, on peut cueillir. Trop bien, et ouais, on peut cueillir. Super, n'hésitez pas à replanter hein, derrière, bien sûr. Attends, mets le dessin de Timmy, là. Ah non, on peut pas. Ah merde, il faut mettre une peau de lapin, là, je crois, ou je sais pas quoi. Ah, ouais, ah c'est dommage. Bah, on n'avait pas des lapins, à un moment. On en a un, toujours. Il est mort, mais il est là. Il est dans la cage à lapins. Ah, il est là, dans la cage, ouais. C'est un lapin très feignant, hein, parce qu'il pourrait vraiment très facilement s'en aller. Ouais, bah écoute, hein, il est présent ce lapin, mais voilà quoi. Ah non, il y a quelques agencements, il faut finir les chaises, il faut quelques petits trucs à faire, mais... petit coup de peinture. Ouais, mais moi, sur toi. C'est... Moi, il me propose rien, tu vois, quand je me balade. C'est encore de me dire que quand on est arrivé dans cette partie-là, tout était intégralement couvert de forêt, et maintenant, c'est une grande plaine, et tu vois bien tout autour. Quoi. Et vous savez quoi? Attendez, pour finir en c'est beauté... grâce à nous. Je mets 3 coups de hache là dans l'arbre, dans Star Wars. C'est grâce à nous. Et je finis la cabane dans les arbres de Seb. Ah oui, il manque pas grand chose. Ouais, finissons ça. Voilà, regarde ça. Elle est où? Ah oui, putain, elle est belle en plus. Ouais, c'est vrai qu'elle est belle. Ça fait une petite dépendance pour amis, tu vois. C'est la chambre d'amis. C'est vrai que c'est la chambre d'amis un petit peu. Et voilà. Incroyable. Et ben, wow, il y a une grosse merde qui arrive là. C'est quoi où ça? Oh là, merde. Lanceman. Ah ouais, oh putain. Ah ouais, ils sont pas contents, ok. Waouh, ils me foncent sur la gueule. Ah ben là on va sortir la lac hein. Attends, il recule. Ça et bitch. Merde, brûlez cette merde. Bitch. Voilà. Voilà, c'est beau ça. Qu'est-ce qu'on leur a franchement qu'est-ce qu'on leur a fait hein. Je sais pas pourquoi ils nous attaquent comme ça. Elle est glorieuse cette cabane. Mais c'est cool. Allez, venez on se met tous dans la cabane de Seb. On peut sauvegarder dedans en plus, je crois. OK. Bah super. Bah écoutez les amis, merci à tous d'avoir continué ça. On essaiera de continuer, je sais pas trop quand, mais on essaiera de continuer du coup.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Pour les gens qui la regardent sur YouTube, du coup, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao ciao. Gros bisous. Bisous. Bisous.